Cédric Paris, vous présentez Frozen Queen dans le quintet de vendredi à Cabourg. Elle avait fait de bons résultats en 2023, avant de connaître deux derniers résultats moins satisfaisants. Que s'est-il passé? Je sais pas trop, la jument avait changé d'entraînement. Ça s'était mal passé. Apparemment, elle avait eu des petits problèmes de santé, de ce que les propriétaires m'avaient dit. Après, moi, j'ai récupéré la jument. Elle a été un petit peu arrêtée au début, après, elle a retravaillé et voilà, c'est rentré. Oui, on l'a pas vu depuis février, donc c'était donc des petits problèmes physiques. Elle avait peut-être besoin de pause aussi, pardon. Oui, voilà, exactement. Après, moi, les propriétaires, quand je l'ai récupéré, ils m'ont dit que c'était pour eux d'abord qu'elle avait besoin de vacances. Et après, on reprend ça gentiment et on regarde si comment ça se passe. Elle travaille bien, mais elle aura besoin d'une course. Quel est ouais, son état de forme actuellement? Je la pense à près 70%, 70-75%. Ça n'est pas pour faire une rentrée, mais après, si ça se passe vraiment bien, si toutes les planètes sont alignées, peut-être 5, 6, 7, mais pas mieux, si tu mets ça. Elle court ferrée, c'est une configuration quand même qu'elle connaît. Ah. Moi, je l'ai toujours couru quasiment ferré à l'époque. Elle était chez Manplus, j'ai toujours couru ferré presque. Elle a pris la plupart de son argent comme ça, et puis là, vu que c'est le rentrée, on va pas apporter grand-chose. Donc, vous pensez qu'il faut la regarder plus? Oui, oui, oui. Ouais, elle n'est pas prête pour vraiment figurer.